107. Psalm 107. On va lire par étape. We'll read step by step. Du verset 1 au verset 9 d'abord. From verse 1 to verse 9. Du verset 10 au verset 16. From verse 10 to verse 16. Du verset 17 au verset 22. From verse 17 to verse 22. Du verset 23 au verset 32. From verse 23 to verse 32. Psaume chapitre 107. 1 à 9. 1 to 9. Verset 1 à 9. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Amen. Amen. Psalm 107, from verse 1 to verse 9. Give thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. Let the redeemed of the Lord tell their story, those he redeemed from the hand of the foe, those he gathered from the lands, from east and west, from north and south. Some wandered in desert, wasted land, finding no way to a city where they could settle. They were hungry and thirsty, and their lives ebbed away. Then they cry out to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. He led them by a straight way to a city where they could settle. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind. For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Amen. Alléluia. Amen. Ce texte sera lu, ce chapitre sera lu. This chapter will be read. Pour montrer que Dieu est sensible aux cris de l'homme. To show that God is sensitive to man's cries. Dieu est très très sensible. God is very very sensitive. Au cri de l'homme. To the cries of man. Si tu veux toucher le cœur de Dieu. If you want to move the heart of God. Crie. Cry. Crie à lui. Cry out to him. Si tu veux que Dieu tende l'oreille, if you want God to listen to you, crie, cry. Et c'est ce que nous allons voir ici. And it's what we are going to see here. Reprenons la lecture ensemble. Let's read it again together.
Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il nous dit, Dieu est bon. He says, God is good. Sa miséricorde dure à toujours. His mercy lasts forever. Tu peux te poser la question, pourquoi dit-il cela? You can ask yourself, why is he telling this? Louez l'Éternel. Praise the Lord. Sa miséricorde dure à toujours. His mercy lasts forever. Comment? How? Lis. Read. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident. Cette première section montre que Dieu avait délivré certaines personnes de leurs ennemis. Shows that God had delivered some people from their enemies. Dieu God les avait délivrés. Has delivered them. Continue. De l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert. C'est des gens qui erraient dans le désert. It was people who were wandering in the wilderness. Ils marchaient dans la solitude. Ils marchaient dans la solitude. They were walking in loneliness. Pas d'amis, aucun soutien. No friend, no support. Aucun parent. No relative. Seul. Alone. Perdu dans les lieux déserts. Lost in the wilderness. Sans trouver une ville où ils puissent habiter. Il n'y avait pas un lieu pour les accueillir. There were no home for them. Pas de maison. No home. Errant. They were wandering. La Bible dit que nous étions tous errants. The Bible said that we were all wandering. La condition d'un pécheur, c'est il erre. The condition of a sinner is that he's wandering. Continue. Il souffrait de la faim et de la soif. Il y avait de la souffrance. They were suffering. Ils n'avaient rien à manger, pas d'eau à boire. Nothing to eat, nothing to drink. Et c'était une grande souffrance. And it was a big suffering. Leur âme était languissante. Leur âme était languissante. Their soul were tired. Dans leur détresse. Dans leur détresse. In their distress. Ils crièrent à l'Éternel. Ils ont crié à Dieu. They cried out to God. Et il les délivra de leurs angoisses. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. And he delivered them from their anguishes. Ils étaient dans la détresse. They were into distress. Et dans la détresse, in their distress, ils ont crié à Dieu. They cried out to God. Vous savez, you know, certaines personnes peuvent penser que crier à Dieu est une chose facile. Some people can believe that crying out to God is an easy matter. Pour crier à Dieu, to cry out to God, il faut abandonner les autres dieux. You must abandon the others God. Il faut abandonner les autres espérances. You must abandon the other hopes. Il faut que tu saches que you must know that Dieu God est le seul is the only qui peut véritablement te délivrer. Who can truly deliver you. Crier à Dieu. Crying out to God. Aller sous un rocher. Go under a rock. Aller sous un arbre. Go on the tree. Et demander pardon à un médecin. And beg the pardon of a doctor. Aller chercher le crédit. Go and take a credit. Ça, ce n'est pas comme ça qu'on crie à Dieu. This is not how we cry out. Quand on crie, when you are crying, c'est qu'on a éliminé les autres. It means that you have eliminated all other options. Et Dieu est témoin. And God is witness. Que tu n'as personne d'autre que lui. That you have no one else than him. C'est pour cette raison, la parole ne dit pas qu'ils ont crié. That's why the word is not saying that they just cried. Mais la parole dit, but the word, ils crièrent à l'Éternel. They cried out to God. Ils crièrent à Dieu. They cried out to God. Continue. Il les conduisit par le droit chemin. Quand ils ont crié, when they cried, il les a sauvés. He saved them. Et s'est mis à les conduire dans le droit chemin. He started leading them in the right way. Pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Tu vas arriver. You will arrive. Jésus te conduira. Jesus will lead you. Tu vas arriver. You will arrive. Tu
Tu vas sortir de tes déserts. You will get out of your wilderness, your deserts. Ça, c'est des sons prophétiques. These are prophetical songs. C'est pour cette raison que dans l'introduction, on dit louer l'Éternel, c'est-à-dire on invite toute la terre. This is why in the introduction it said praise the Lord. Il ne dit pas je louerai l'Éternel. Is invited. Is not said that I will praise the Lord. Il ne dit pas je louerai l'Éternel. But I'm not saying that I will praise the Lord. Il dit louer l'Éternel. But say praise him. Moi et toi. Me and et I. Les autres. You and louons I. L'Éternel. And we always let il est us bon, praise. Sa miséricorde dure toujours. Because it's good. Si nous avons des problèmes, if you have troubles, si nous sommes dans les lieux déserts, if you are in the wilderness, il peut nous sauver. He can save us. Lise. Read. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a satisfait l'âme altérée. He has fed the thirsty soul. Il a comblé de bien l'âme affamée. Il a comblé de bien l'âme affamée. He has given goods to the hungry soul. Quand Dieu t'exauce, when God grants you, il pourvoit tes besoins. He provides your needs. L'homme a des besoins. Man has needs. Fondamentaux. Core needs. Quand ça manque, when it is missing, c'est une grande souffrance. It's a big suffering. Un homme qui veut se marier, someone who wants to get married, qui n'a pas les moyens, who have no means, pas d'emploi, pas d'argent, no job, no money. Chaque année, il fête un anniversaire. Every day, every year. He has a birthday. À un certain moment, at a time, chaque anniversaire devient une souffrance, une détresse. Each anniversary becomes a distress, a quand suffering. Quand tu étais enfant, quand tu fêtes l'anniversaire, les gâteaux, tu danses. When you are a child, during your birthday, you have cakes and you dance. Maintenant, tu ne veux plus qu'on te chante ça. Now you don't want people to sing your birthday. Dieu va te délivrer. God is going to deliver you. Lis. Read. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Il y a une autre catégorie. There's another type. Lis ce qui est, quel était leur problème. Read what was their problem. Écoutez bien. Listen carefully. Parce qu'ils s'étaient révoltés. Il y a des gens qui souffrent. There are people who are suffering. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Because they disobeyed God. Dieu leur a dit n'allez pas là-bas. God told them don't go there. Ils sont partis. They went. Ils reviennent avec les larmes aux yeux. Now they are coming with tears. Lis. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres. Those whose home is et, darkness. Et l'ombre de la mort. Et l'ombre de la mort. And the cloud of death. Vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ils étaient enchaînés. They were enchained. Captifs. Captives. Misérables. Miserable. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Dieu a parlé. God spoke. Ils violent la parole de Dieu. Ils disent on va vivre comme on veut. They say we live as we want. Et ils ramènent des maladies. Now they are getting back. Des enfoutements. With diseases and bewitchments. Des problèmes de tout genre. Troubles of any kind. Ils n'ont pas suivi le conseil de Dieu. They have not followed God's advice. Des enfants sans père. Children without fathers. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils ont méprisé le conseil de Dieu. They despised God's advice. Ils ont dit, nous allons faire ce que nous voulons. They said, we are going to do what on we va want. Divorcer. We'll divorce. On va se prostituer. We'll prostitute ourselves. On s'en fout. We don't care. Et la souffrance. And suffering.
la souffrance, la vraie souffrance, suffering, true suffering, les a frappés. Stroke them. Les prisons, prisons, les maladies, diseases, les blocages, blockages, la pauvreté, poverty, la misère, misery. Pourquoi? Why? Ils ont dit, they said, ce que Dieu dit là n'est pas vrai. What God says is not c'est les gens qui ont écrit la Bible. There are people who wrote the Bible. Ils disent la Bible là, c'est les gens qui ont écrit la Bible. They said the Bible have been written by people, by human beings. Et ils boivent le koutoukou. And they drink alcohol. Quand il est sous. When they are drunk. Ils disent qui est la mère de Dieu. And they say who is the mother of God. Lis. Read. Il humilia leur cœur par la souffrance. Dieu a dit, ah bon? God says, okay. Tu veux connaître qui est ma mère? You want to know who is my mother? Allez. Okay. Tout ce que tu as fait là, le vent va souffler dessus. All that you have done will be blown by the wind. Il te reste un seul pantalon. And you just left one trousers. Tu veux dire à celui qui était ton ami, tu dis, ah, mon ami est dit que l'ami, laisse-moi. You want to tell the one who was your friend, you say, oh, my friend, you say, which kind of friend, leave me alone. Tu as blasphémé, Dieu te mate, il te réduit à néant. You blasphemed, God crush you down and put you to naught. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu combat le pécheur. There are people who don't know that God fight against the sinners. Quand Dieu voit un pécheur, when God sees a sinner, il écrase son orgueil. He crushes down his pride. Lis dans la Bible. Read in the Bible. Read Malachi, chapitre 2. Chapter 2. Verset 1 et 2. Verse 1 and 2. Malachi, chapitre 2. Versets 1 à 2. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Écoutez, listen. Tu comprends ce que je dis? Do you understand what God is saying? Dieu dit, God says, si tu ne veux pas le servir, if you don't want to serve him, si tu ne veux pas te soumettre à lui, if you don't want to submit, si tu veux faire de l'orgueil, if you want to be proud, pour te révolter contre lui, and revolt yourself against il va maudire tes bénédictions. He will curse your blessings. Et lis bien. Read it again. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous n'écoutez pas, if you don't listen, si vous ne prenez pas à cœur, si vous ne prenez pas à cœur, if you don't take seriously, de donner gloire à mon nom, de me glorifier, to glorify God, si vous ne voulez pas me servir, m'exalter, you don't want to serve, si vous ne voulez pas vous soumettre à moi, to exalt me, to submit que vous, to me, vous voulez vivre comme vous voulez, you want to live like you want, qu'est-ce que je veux faire, dit-il, what am I going to do? J'enverrai parmi vous la malédiction. J'enverrai parmi vous la malédiction. I will bring into you the curse. J'enverrai parmi vous la malédiction. I will bring in your means curse. Et je maudirai vos bénédictions. Et je vais chercher vos bénédictions et je vais les maudire. I will look for your blessings and curse them. Si tu as des enfants, if you have children, les enfants sont les premières grandes bénédictions. Children are the first great blessing. Si tu as des enfants, il est maudit. If you have children, he be cursed. Il cherche la chose que tu aimes. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Il cherche tes bénédictions, il est maudit. He will look for your blessing and curse them. Si c'est ton emploi. If it is your job. Si ton travail. If your work. Te procure beaucoup de joie et de plaisir. Brings you lot of pleasures. Il dit à ton chef. He will tell you. Your manager, il met dans le cœur de ton chef la pensée de te chasser. He puts in the heart of your manager
the thought to fire you. C'est ça qu'on appelle maudire la bénédiction. This is what is called to curse the blessing. C'est détruire ce qui fait la joie de quelqu'un. It's meant to destroy what makes. Il dit, je maudirai vos bénédictions. He says I will curse your blessings. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu juge la terre. There are people who don't know that God judges the earth. Donc, ils vivent comme ils veulent. They live like they want. Les problèmes que les gens rencontrent là. Problems that people meet. Il y en a qui sont bloqués par Dieu lui-même. There are some who are blocked by God himself. Dieu écrase tes efforts. God crashes down your efforts. Tu cherchais des amis. You are looking for friends. Il les arrache lui-même. Il met des pensées dans leur cœur contre toi. He removes them himself. Will put forth against. Il dit, je maudirai vos bénédictions. He said, I will curse your blessings. Si c'est ton diplôme qui est ta bénédiction, if it is your degree, which is your blessing, il maudit ton diplôme, ça ne te produit rien. Your diploma, it produces nothing. Ça ne te produit rien. It produces nothing. Si c'est ta voiture qui est ta bénédiction, if it is your car, which is your blessing, ça tombe en panne. It broke. La voiture tombe en panne. The car broke. Tu donnes à un mécanicien. You give it to a mechanic. Il vole les pièces, il vend. He steal all the engines. All the tu veux parler, il te frappe. You want to speak, tu vas au commissariat, on te réprimande. You go to the police station, you are rebuked. Et on libère le bandit. And the man is released. Je maudirai vos bénédictions. I will curse your blessings. Lis. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Quand c'est Dieu qui te frappe, when it is God who is personne ne peut te secourir. No one can rescue. Personne. No one. Quand ces choses arrivent là, ce n'est plus un envoûtement. Ça, c'est le jugement de Dieu. When those things are happening to you, it's no more bewitchment. It's the judgment of God. Si tu es engagé dans le combat spirituel, if you are engaged in the spiritual war, il faut savoir discerner quand. S'agit-il d'une malédiction you ou bien d'un envoûtement? To understand when it is a curse or a bewitchment. Tu dois savoir, pouvoir discerner que ce problème-ci là. You must know that this trouble. Ça ressemble au doigt de Dieu. Looks like the finger of God. Pharaon s'opposait à Moïse. Pharaoh opposes Moses. Et Dieu frappait l'Égypte. And God struck Egypt. Et Pharaon ne comprenait pas que c'était Dieu. And Pharaoh could not understand that it was God. C'était un incrédule. Because he was unbelieving. Un jour, il a demandé à Moïse qui est l'Éternel. One day he asked Moses, pour que je lui obéisse. Who is the Eternal? Why should I obey him? Mais quand ça chauffait déjà dans l'Égypte. But when it was getting very hard in Egypt. Ces sorciers, ces magiciens. His magic man sont partis lui dire, went and told him, Pharaon, Pharaoh, ça c'est le doigt de Dieu. This is God's libère-les. Set these people ça c'est free. Le doigt de Dieu. This is God's singer. Il faut que tu discernes you must understand que ce qui m'arrive là, that what is happening c'est to le you doigt de Dieu. Is God's hand. Parce que j'ai refusé de le servir, j'ai because méprisé son appel. I have refused to serve him. I have despised his call. Il m'a appelé. He called me. Je m'en suis moqué. I laugh at him. Donc son doigt est contre moi. So his finger is against me. Il y a des gens dans cette foule. There are people in this crowd. Quand Dieu parle, ça ne leur dit rien. When God speaks, he does nothing to them. Ils ont des problèmes, ils veulent résoudre ça avec l'énergie physique. They have troubles and they want to sort it out with their physical energy. Il y a camp de prière ici, ils s'en vont. There is a camp of prayer over there, they go. Il y a croisade là-bas, ils sont présents. There is a crusade over there, they are there. Ils veulent résoudre ça sans se soumettre à Dieu. They want to sort it out without submitting God. Quand ils sont quelque part, c'est eux qui commandent les pasteurs. When they are somewhere, they are the one who lead the pastors. C'est eux qui dirigent. They are directing. Si tu veux te fâcher, ils te donnent l'argent. If you want to get angry, they give you money. Et tu te calmes. And you calm down. Lis. Great. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse. In their distress. Dans leur détresse. In their distress. Ils crièrent à l'Éternel. They cried out
Ça, c'est la leçon de ce psaume. This is the lesson of this psaume. Quelle que soit la situation, whatever the situation, même si tu t'es rebellé contre Dieu, even if you rebelled against God, même si tu l'as insulté, even if you insulted, mais le jour, but the day, où accablé, were tired, tu parviens à crier à lui, you succeeded in crying out to him, il intervient, he will intervene. Dieu n'est pas rancunier. God is not keeping rancune. Dieu n'est pas rancunier. God does not keep rancune. Il est bon. He's good. C'est d'ailleurs ce que le psaume dit. This is what il est bon car sa miséricorde dure à toujours. He is good since his mercy lasts forever. N'aie pas peur de crier à lui. Don't fear to cry out. Même si tu as commis tous les péchés du even monde. If you have committed all the sins, viens the à lui. World, come to him. Crie. Cry. Tu auras la réponse. You'll have a reply. Des gens qui ont méprisé le conseil de Dieu. People who despise God's advice. Des gens qui ont dit que Dieu n'est pas bon, Dieu n'existe pas. People who said God is not good, he does not exist. Après, ils sont coincés. After they are blocked. Et ils crient à Dieu. And they cry to him. Et Dieu exauce. And God grants him. Il les délivra de leur angoisse. He delivers them from their anguish. Il les délivra de leurs angoisses. He delivers them from their anguish. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. C'est fini, ils ne vont plus mourir précocement. They are not going to die. Dieu délivre de la mort. God delivers from death. Que ce qui se passe ici ne vous étonne pas. Let what is happening here amaze you. Dieu a toujours délivré les hommes de la mort. God has come to deliver people from death. Il y a des moments où la mort t'environne. There are times death surrounds you. Tu la sens même. You feel it. C'est comme si tu ne peux pas atteindre la fin de la journée. It's like you cannot reach the end of the day. Dieu peut te délivrer. God can deliver you. Alléluia. Amen. Lis. Et il rompit leurs liens. Il a brisé leurs liens. He broke the ties. Il y a des gens qui aiment demander est-ce qu'il y a brisement de liens dans la Bible. Bon, there are Dieu, people, Dieu même a brisé les liens des gens. There are people who like to ask, do we have breaking of ties si in the Bible? Si tu es un enfant de Dieu, brise les liens des gens. See, God himself broke the ties of people. If you are a child of God, break the ties of people. Dieu va te bénir. God is going to bless you. Parce que tu le connais. Because you know him. Et tu viens au secours de ses enfants. And you come at the rescue of his children. Il brise les liens. He broke the ties. Quand tu fumes la cigarette, when you smoke cigarettes, il y a une chaîne qui te garde captif. There is a chain which keeps you captive. Pour que tu sois libre. For you to be free. Cette chaîne doit être brisée. This chain should be broken. Quand tu te prostitues, tu penses que tu es beau. C'est les chaînes. When you are prostituting yourself, you think that you because you are handsome. There are chains. Les démons te tirent. Demons are pulling you. Tu as besoin de délivrance. You need deliverance. Lis. Read. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Oh, il les a délivrés. Qu'il le loue. Oh, that he delivers them. Let them praise him. Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. And for his marvels for men. Attention, frère, nous sommes en train de rater un exercice. On doit danser ici. Be careful, brothers. On doit louer Dieu. We are failing in an exercise. We must dance la here. La croisade n'est pas finie. Que Dieu nous donne un jour où nos danses vont monter au ciel. We must praise him. We must dance here. Let God give us a day where our dancing will go up to heaven. Ne reste pas là comme un cadavre. Do not remain there like a corpse. Réjouis-toi devant ton Dieu. Before your God. Parce qu'il est bon, il nous délivre. Because he's good and he delivers us. Il y a des gens qui sont guéris parce qu'ils avaient loué Dieu en dansant. La maladie est partie.
There are people who are healed because they praised God by dancing, and the disease is over. Read. Car il a brisé les portes des reins. Il a brisé les portes des reins, ça c'est la prison. He has broken the prisons. Il a cassé les portes de prison. He broke the doors of the prisons. Il a rompu les verrous de fer. Il a rompu les verrous de fer. He has broken the chain, the iron chain. Tu vois, locks, sorry, the iron locks. Pour que tu sois libre. For you to be free. Dieu a combattu. God fight it. Casse les portes. Breaking les verrous de fer. Breaking the locks, the iron locks. Casse les portes des reins. Breaking the iron doors. Alléluia. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Lis. Read. Les insensés. Voilà une autre catégorie. This is another category. Par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Ceux-là, ils ont choisi de vivre dans le désordre et dans le dérèglement, la dissolution. Chose to live in disorder, in immorality and dissolution. Ils sont pervers. They are perverse, evil. Oui. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Maintenant, ils sont menacés, ils sont malades, ils sont malades, ils souffrent. Ils ne peuvent même plus manger. They are treated. They are sick, they are suffering, they cannot even eat. Et ils touchaient aux portes de la mort. Il restait un peu seulement. There was about. Pour qu'on dise qu'ils sont morts, ils sont partis. To say that they are dead. Quand ils ont senti. When they felt. Que c'est fini. That it is over. Les portes de la mort sont ouvertes. The doors of death are open. Lis. Dans leur détresse. Dans leur détresse. In their distress. Les portes de la mort sont ouvertes devant the toi. The door of death are open before dans you. Dans ta détresse. In your distress. Voici ce ils que Dieu. Ils crièrent à l'Éternel. They cried out to God. Ils crièrent à l'Éternel. They cried out to God. Et il les délivra de leurs angoisses. Oh, ce Dieu est bon et merveilleux. Il les a délivrés. Oh, this God is good and marvelous. Sans le réprimand. Without rebuking them. Il les a délivrés. He has delivered them. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Des gens qui ont insulté Dieu. People who insulted God. Et qui devaient mourir. And who was to die. À cause des mauvais chemins qu'ils ont empruntés. Because of the wrong and the bad ways that they took. Nous étions dans une ville en Côte d'Ivoire. We were in a town in Côte d'Ivoire. Le missionnaire, j'ai vu le missionnaire venir. I saw the missionary. Et on devait travailler ensemble. Coming, we were to work together. Et il avait un cahier sous les aisselles. And he had a copybook in his hand. Après, under il a fait his sortir, arm. Il a fait sortir le cahier. He removed it. C'était le cahier d'une sœur qui avait des dettes de plus de près de 4 millions. It was the copybook of a sister who had debts of more than 4 million. C'est quelqu'un qui détenait sa carte bancaire. Someone else were keeping a bank card. Et lui donnait 20 000 chaque mois. And gave her 20,000 francs each month. Le reste, the rest, il prenait. He took it. Elle était tombée entre les mains des jurés. She fell into the hands of les pénalités ne faisaient que se multiplier. Lot of penalties was multiplying. Quand tu as des dettes de cette manière, when you have debt of this kind, tu es fonctionnaire. You are a civil servant. Tu as 20 000. You have 20,000 francs. Ton créancier a le reste. And the one you owe, si tu ne cries pas, the rest, si tu ne cries pas à l'Éternel, to God, to the eternal, tu vas mourir dedans. You will die. Ils crièrent à l'Éternel. God, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. And the Lord delivered them from their anguishes. Les délivra de leurs angoisses. He delivers them from their anguishes. Lis. Il envoya sa parole
et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. He sent his word and healed them. Quand tu écoutes la parole de Dieu, when you listen to God's word, ouvre des oreilles. Open your ears. Quand Dieu veut travailler dans la vie d'un homme, when God wants to work in the life of a man, la première chose, the first thing, il envoie la parole. He sent his word. Si tu refuses la parole, if you refuse the word, tu as perdu. You have lost. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. La parole de Dieu marche avec la bénédiction de Dieu. Quand tu méprises la parole, si Dieu te parle, tu refuses d'obéir, tu as fermé la porte à la bénédiction. Dieu envoie la parole. Quand tu acceptes la parole, la guérison t'atteint. La guérison t'atteint. Lis. Read. Il les fit échapper de la fosse. C'est fini, ils ne vont plus mourir. It's finished. They won't die again. Dieu va te sauver. God will save you. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Si tu sentais déjà la mort, if you could feel death, peut-être tu n'as même pas dit à quelqu'un. Maybe you told no one. Parce que c'est des sentiments effrayants. Because there are frightening feelings. Mais but aujourd'hui, today, le Seigneur te dit, the Lord is telling you, je peux te délivrer. I can deliver you. Tu ne vas pas partir. You are not going to leave. Viens à moi. Come to me. Viens à moi. Come to me. Quand Dieu te touche, when God touch you, quand Dieu décide que tu ne vas plus mourir, when God decide that you are no longer going to die, même si on met le poison dans ta nourriture, even tu if ne poison pas te tuer. Is put in your food and you eat it, you are not going to die. Si it on tend des pièges devant toi, ça ne peut pas marcher. If they put tricks before you, it won't work. Même si on t'a déjà mangé dans la sorcellerie, even si, if you have been eating up in witchcraft, si tu entends encore ce que je dis, tu c'est fini. If you can hear, you can still hear, c'est fini, ça, c'est annulé. What I am saying is finished. That won't happen. Ils vont t'attendre. They are going to wait for you. Fatigué. For long. Parce que Jésus est la vie. Because Jesus is life. Il est la vie. He is life. Il y a certaines personnes, quand les sorciers ont fini de manger, ils te donnent un esprit pour te suicider. There are some people, when the witches have finished to eat you, they give you a suicide spirit. Ou bien on te donne un esprit, tu commences à vouloir lutter avec tout le monde. And they give you a spirit and you start fighting with everybody. Quand on te donne un coup de poing, tu tombes, tu meurs. As soon as they give you a knockout, you fall down and die. On dit il est mort. And they say he's dead. Jésus te dit, Jesus is si tu crois aujourd'hui, if you believe today, les portes de la mort qui étaient ouvertes devant toi vont se fermer. The doors of death which were open before you will close. Certaines personnes, some people, vont aller à l'hôpital, will go to hospital, faire le même examen, to go to the same test, qu'ils ont eu à faire plusieurs fois. On leur disait que il n'y a rien, that they have done many times and they were said there is nothing. Et toi, tu es malade, tu maigris même, on te dit il n'y a rien même, tout est bien, le sang est propre, tout, le cœur, tout. You are sick and you are getting thin. Maintenant, tu vas aller, on va découvrir le mal. Now when you will go, they will know what is hitting you. Les sorciers avaient caché pour que tu sois surpris. Witches had eaten, hidden it so that you may be surprised. Il y a une jeune dame qui travaille aux impôts. There's a young lady walking to the treasury. Elle avait une toux. Quand elle tousse, ça fait blum, comme la tuberculose. She had a cough. When she coughed, it's making noise. C'était terrible. Like tuberculose. It was very bad. Tu ne vas pas à l'hôpital. Dis, je suis allé à l'hôpital. On dit, il n'y a rien. Je suis she said, I went to hospital. They said, there is nothing. J'ai prié pour elle. J'ai dit, retourne à l'hôpital. I prayed for her and I said, go back to hospital. Elle est repartie. On l'a mise sous traitement. When she went, she was put under a treatment. Vous voyez comment elle allait mourir sans soin. You see, she would die without any healing, without any case. Quand le médecin, ce n'est pas qu'il lui manquait l'argent, elle travaille aux impôts. It was not like she's missing money. Le médecin dit il n'y a pas de maladie. But the doctor said there is no disease. Elle a cru à ça. She believed into that. Mais le Saint-Esprit m'avait dit non, c'est faux.
But the Holy Spirit told me, no, no, les no, démons ont caché la maladie. It's wrong. Demon has have eaten. Ils veulent la surprendre. They want to surprise her. Nous allons juger tous les mensonges démoniaques. We are going to judge, to condemn all the devilish liars. Vous savez, le combat a besoin de beaucoup de discernement. This year, the battle needs a lot of discernment. Il y a des gens. There are people. Après les avoir délivrés. After having delivered them. Ils doivent se soumettre aux soins médicaux. They must go and receive medical care. Pour leur guérison effective. For the effective healing. Il y en a chez qui le mal disparaît. There are some in which the disease disappears. Quand Dieu a guéri Ézéchias, when God healed Ezekias, il a dit au prophète Isaïe de prendre les masses de figues et d'aller guérir son ulcère avec. He told the prophet Isaiah to take some mask of fruit and go and heal his ulcers with it. Mais devant Dieu, Ézéchias était déjà guéri. But before God, Ezekias was already healed. Dieu lui avait déjà ajouté 15 années. God had already added 15 years to his life. Mais il était toujours malade. But he was still sick. Il y a des gens dans cette foule. There are people in this crowd. S'ils ne venaient pas à la croisade. If they had not come pour prier, the crusade to pray. Ils allaient vite mourir. They would have died. Depuis qu'ils ont prié. They would die early. Dieu a déjà ajouté les années. Since they prayed, God has already added years. Il a ajouté les années. God has added years. Quand Dieu t'ajoute des années. When God adds years to you, si tu es attentif, if you are careful, tu peux savoir, you can know que Dieu a ajouté tes années. That God has added to your years. Je te dis la vérité, tu peux savoir, you can know that l'impression de la mort disparaît. The pressures of death disappear. L'image de sa réalité disparaît. The image of his reality disappears. Et tu sens les projets de Dieu se fixer dans ton intelligence. And you feel the projects of God fixing in your intelligence. Tu sens que Dieu veut t'utiliser même encore you pendant longtemps. You feel like God want to use you for long times again. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. You cannot explain it to someone. Tu sens des rêves divins dans ton esprit you sur l'avenir. Divine dreams in your mind on the future. Ça veut dire que Dieu a ajouté des années à ton âge. It means that à God ta vie. Has added years of your to your life. Et tu verras. And you will see. Tu te verras en train d'accomplir des grandes missions pour Dieu. And you will see yourself completing great missions for God. Ça va t'arriver. This will happen to you. Ceux qui avaient planifié ta mort, quand tu tombes malade, ils se renseignent. Ils ont perdu. Those who planned your death, when you fall sick, they just ask themselves, they ask questions, they have lost. Pour les troubler un peu, quand tu as mal au pied, tu dis que j'ai mal au pied là. Et comme ça, ils commencent à danser. To trouble them a while, when you have a pain on your foot, you say, oh, I have a pain here, and they start dancing. Tu as une petite chaleur, tu dis que je sens une petite chaleur. Et comme ça, est-ce que c'est grave, c'est comment? C'est commencé quand? Is it big or when? Je vous dis la vérité, il y a des méchants se renseignent. Quand ils veulent que tu meurs, ils se renseignent. I'm telling you the truth. When the wicked people want you to die, they have inquiries. Quand David tombait malade, when David was sick, les gens allaient regardez s'il va mourir bientôt. People used to go and see if he's going to die. Et quand il rentre, ils disent la nouvelle aux autres. And when they go back, they say they spread out the news to others. Dis je proclame. Say I proclaim. Que je ne mourrai point. That I'm not going to die. Je vivrai. I will live. C'est fini. It's finished. Lis. Read. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Oui. Yes. Dieu nous a testé hier, on a gagné le test. God put us on trial. Le témoignage d'hier demandait des actions de grâce instantanées.
Le témoignage d'hier. The testimonies of yesterday's. Demandait qu'il y ait des actions de grâce instantanées. Required thanksgiving on the spot. Il ne faut pas se limiter à merci, merci Jésus, merci, we merci must not Jésus, limit merci, ourselves merci to Jésus. Thank you, merci, Jesus. Jésus. Thank non, you, thank il you. Il faut des actions de grâce. We need thanksgiving actions. Il faut prendre dans tes richesses. You can take in your riches. Quelque chose selon something ta volonté. According to your will. On ne doit pas t'imposer. You must not be forced. Mais il faut qu'il y ait ça. But it must tu be. Donnes à Dieu. You give it to God. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Dieu existe. God is real and exists. Dieu travaille. He works. Dieu a des désirs. He has some desires. Il veut que ses enfants l'honorent, l'adorent. He wants his children to honor and worship avec him. Avec le bien. With the goods. Relis, qui viennent avec des. Read it again. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Let them have sacrifices of thanksgiving. Et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. And publish his deeds with shouts of joy. Quand tu écoutes les témoignages. When you listen to testimonies. Quand un frère publie les œuvres de Dieu. When a brother publishes God's work. Works. Ne reste pas silencieux. Don't remain silent. Crie. Cry, shout. Pousse un cri de joie. Shout, have a shout of joy. C'est Dieu qui demande ça. It's God who requires that. Continue. Ceux qui étaient descendus sur la mer voilà dans des navires. Ceux-là ont un problème particulier. These ones have a particular problem. Ils ne sont pas des pêcheurs. They are not fishermen. Ils n'ont pas violé la loi de Dieu. Lis. They did not violate God's law. Et qui travaillaient sur les grandes eaux. Ils étaient des marins. They were marines. Bien formés dans les écoles, des grandes écoles. Well trained into the good schools. Et ils ont un danger réel. And they have a real danger. Qui ne provient pas d'un péché. Which does not come from a sin. C'est que le danger est réel. It was a true danger. Une grande tempête s'abat sur eux. A big storm was blowing. Et ils révisent leurs leçons. And they revise. They are revising the lesson. Pour résoudre le problème. To sort out the problem. Et le problème est toujours là. And the problem is still there. Cela vit les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux et il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Leur âme était éperdue en face du danger. The soul was lost. In front of the les danger. Eaux soulèvent le navire, ça, the waters ça fait vroom, comme si ça va entrer sous l'eau. Waters were going up and down from the abyss. L'air abîmé. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Toute leur habileté était anéantie. All the knowledge was cancelled. Toutes les études. All the knowledge. Tout ce qu'ils savaient faire. All that they know, tout they ce knew. Qu'ils avaient appris. What they learned. Et ce que l'expérience avait ajouté. What experiences added. Ils ont exploré tout ça. They check all of it. Rien. Nothing. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lis. Later. What dans leur détresse. Ils ont laissé les diplômes. Ils disent, cette affaire n'est pas l'affaire des diplômes. They left aside their diplomas and say this matter is cette not affaire, a matter si n'est pas l'affaire de l'intelligence. Of training or intelligence. Il y a des gens qui me rendent témoin. J'ai fait comme ça et puis quand j'ai fait comme ça, on. There are people who like to give testimonies. On acclame. They say I did ici, this là, and lie. Ils ont fait comme ça, zéro. Here they did this. Ils ont fait comme ça. And that. Toutes leurs habiletés étaient anéanties. All the knowledge was. Canceled. Après, ils ont dit, pardon, venez, on va prier, venez, on va prier. And they say, oh, please, let us pray now. Venez, on va prier. Lis. Read. Dans leur détresse. Dans leur détresse. In the distress. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. They cried out to God. Et il les délivra de leurs angoisses. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Deliver them
Acclamation à Jésus de Nazareth. Clap for Jesus of Nazareth. Quand le papier ne peut pas te sauver, when the paper cannot save you, quand l'ingénierie ne peut rien te donner, when engineering cannot give you anything, même si vous formez un collège, une sélection de l'élite, even if you make a board of non-people, le danger était réel. The danger was real. Ils ont dit, they said, venez, on va prier. Let us go to prayers. Venez, on va prier. Let us pray. Et ils ont prié. And they prayed. Et Dieu les a aidés. And God granted them. La leçon ici. The lesson here. Le Saint-Esprit dit. The Holy Spirit says. Il veut says, que tu comprennes comment Dieu exauce les cris des hommes. He wants you to understand how God grants the cries of men. Et ce soir. And tonight. Ce sera notre cri. It will be your turn to cry. Tu dis au Seigneur, Seigneur. You tell the Lord, Lord. J'ai fini tous les plans. I have finished all my plans. J'ai fini tous les plans. I have tried all my plans. Regarde cette situation avec mon frère ou ma sœur. Look at this situation with my brother or my sister. On m'a dit, va lui demander pardon. Je vais zéro, rien ne change. I was said, go and beg his pardon. I went, but nothing. Regarde. Look. Regarde la situation entre moi et mon mari. Look the situation between me and my husband. Ou entre moi et ma femme. The situation between me and my wife. On m'a dit que l'homme doit s'humilier. Je me suis humilié même. Je I was said man should humble himself. I humbled Rien. Myself, but nothing. C'est Dieu qui peut te sauver ce soir. It's God who can save you tonight. Dans leur détresse. In their distress. Ils crièrent à l'Éternel. They cried out to God. L'Éternel les délivra de leurs angoisses. And he delivers them from their anguishes. Quand un enfant vient d'échouer encore. When the child has failed again. Pour la quatrième fois. For the fourth time. Crie à Dieu. Cry out to God. L'an prochain. Ça va marcher. Next year it will work. L'an prochain. Next year. Ça va marcher. It will work. L'an prochain, next year, ça va marcher. It will work. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les délivra de leurs angoisses. And the Lord delivers them from their anguishes. Vous savez pourquoi il dit de crier à lui? Lis à partir du verset 32. Do you know why he asks us to cry out to him? Lis à partir du verset 32. Read from verse. Il change les fleuves en désert. Il change les fleuves en désert. He changed the lakes into deserts. Et les sources d'eau en terre desséchée. Et les sources d'eau en terre desséchée. And the sources of water to dried earth. Le pays fertile en pays salé. Continue. À cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang. Il change le désert en étang. He changed the desert to a river. Et la terre aride en source d'eau. Et la terre aride en source d'eau. The dry earth to source of water. Et il y établit ceux qui sont affamés. Et il prend ceux qui sont affamés, il les installe. And he settled people who were hungry. Il fonde une ville pour l'habiter. Ils font une ville pour l'habiter. If they found a town and live inside, ils ensemencent des champs, plantent ils ensemencent des champs. They plant farms. Plantent des vignes. Ils plantent des vignes. They plant wines. Et ils en recueillent les produits. Ils en recueillent les produits. And they harvest products. Il les bénit. Il les bénit. He bless them. Ça, c'est ce qui. C'est, vous voyez, il est en train de dire que. Qu'est-ce que vous cherchez? Je bénis, je délivre, je change le désert en étang. Je peux faire sauter les montagnes. Je peux résoudre tous vos petits problèmes. See, he's just telling, what are you looking for? I change the desert in lakes. I can sort out all your small problems. Marie de nuit, là, c'est un petit démon. Spirit of husband. Husband's. Spirit husband is a small file. Dis-lui seulement, Jésus, tu vas voir ce qu'il va faire. Just tell him, Jesus, you will see what he's going to do. Continue. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Il les multiplie en nombre. He multiplies them. Et il ne diminue point leur bétail.
Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, écoutez, le malheur? Écoutez. Listen. Reprends. Sont-ils amoindris? Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Vestent-ils le mépris sur les grands? Les fait-ils errer dans des déserts sans chemin? Ils relèvent l'indigent. Ils relèvent l'indigent. Et le délivre de la misère. Il délivre l'indigent de la misère. Dis amen. He delivers the poor man from misery. Say amen. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Il multiplie les familles comme des troupeaux. He multiplies families as cattle. Il y a certaines familles, les gens, tout le monde est mort. Les maisons sont dans les herbes. There are some families, everybody is dead. Dans certaines familles, il restait deux cases. In the grass. Toutes les maisons qui étaient là sont. Il reste deux cases pour deux petits vieillards. For two old, small old man, men. La route qui allait là-bas, les herbes ont poussé. The way to these houses. Il reste une petite piste. Have a lot of grass. There are small paths. Et les enfantements sont rares, donc il n'y a même pas des enfants qui vont venir habiter dedans. And childbirthing. Is so scarce. There is no children to come and. Dieu peut changer les choses ce soir. God can change things tonight. Dieu peut ressusciter ta famille. God can resurrect your family. Vous commencez à enregistrer des jumeaux. You will start registering the twins. Il rend les familles nombreuses. He makes family numerous. Lis. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Ces choses. Both things. Réjouissent le cœur des justes. Rejoice the heart of righteous. Mais les pécheurs. But the sinners. Restent la bouche ferme. Stay with the mouth closed. Le péché ferme la bouche du pécheur. Sin closes the mouth of a sinner. Mais avant de commencer la prière. Before starting the prayer. S'il y a un invité. If there is a guest. Qui reconnaît qu'il vit dans le péché. Who recognizes that he is living into sins. Il faut qu'il sorte. He must get out. Qu'il vienne donner sa vie à Jésus. Come and give his life to Jesus. Si tu sais. If you know que tu pratiques encore le péché, that you still practice sin, lève-toi. Stand up. D'abord, si tu es là, lève la main que je vois. First of all, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer de camp maintenant? Lève la main. Put up your hand so that I may see. Do we have someone who wants to change his camp? Oui, viens. Yes, come. Qui autre? Who else? Viens. Come. Qui autre? Who else? Oui, venez. Yes, come. Venez. Come. Que le péché ne ferme pas ta bouche. Let not sin close your mouth. Que le péché ne ferme pas ta bouche. Let not sin close your mouth. Que le péché n'attache pas tes pieds. Let not sin block your head. Viens donner ta vie à Jésus. Come and give your life to Jesus. Viens donner ta vie à Jésus. Come and give your life to Jesus. Viens donner ta vie à Jésus. Come and give your life to Jesus. Viens donner ta vie à Jésus. Come and give your life to Jesus. Viens donner la vie à Jésus. Come and give your life to Jesus. Acclamons pour la gloire. Let us clap for God's glory. Avec des cris de victoire. We shall have victory. Lève-toi et viens. Stand up and come. 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 Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Avant qu'on ne commence la prière, viens vite donner ta vie à Jésus. Before we start the prayer, come quickly give your life to Jesus. Mm-hmm.
Viens donner ta vie à Jésus. Come and give your life to Jesus. Lève-toi. Stand promptement. Quickly. Viens donner ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Oui, acclamez pendant qu'ils sont en train de venir. Yes, clap while they are coming. Ils sont en train de vaincre le diable. They are overcoming the devil. Ils sont en train de vaincre le diable. They are overcoming the devil. Ils sont en train de sortir des ténèbres. They are getting out of darkness. Dans 5 minutes, j'arrête. In 5 minutes. Si tu dois venir, viens vite. I stop. If you want to come, come now. Si tu veux venir, viens vite. If you want to come, come now. Come quickly. Si tu veux venir, viens vite. If you want to come, come quickly. Ne négligez pas le salut des enfants. Acclamez. Do not neglect the salvation of children. Clap. Dans 4 minutes. In 4 minutes. Dans 4 minutes. In 4 minutes. Si tu es rétrograde. If you are a backslider. N'attends pas une exhortation spéciale. Lève-toi, tu reviens. Don't wait for a special advice. Tu marchais avec Jésus. You are walking with Jesus. Tu es tombé. You fall. Reviens. Come back. Reviens. Reviens. Come back. 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 3 minutes. 3 minutes left. Reviens. Come back. Reviens. Come back. Si tu es venu pour prier seulement. If you have come just for prayers. Le diable te dit, ne m'abandonne pas, mais prie seulement, on va rentrer. The devil tells you, don't abandon me, just pray and we'll go back home. Je voudrais te dire que tu as déjà perdu. I would like to tell you that you have already lost. Tu as déjà perdu. I've already lost. Si tu as fait un plan. If you have done a plan, que tu ne serviras jamais Jésus. That you will never serve Jesus. Mais que tu vas toujours l'exploiter. And you will always exploit him. Quand tu as besoin de protection, tu l'appelles. When you need protection, you call him. Là, tu te trompes. You are deceiving yourself. Jésus t'appelle à lui. Jesus is calling you to La Bible him. Dit. The Bible says. Il s'est donné lui-même. He gave himself. Il est mort à la croix. He died on the cross. Il s'est donné lui-même He gave himself afin de se faire un peuple qui lui appartient. In order to make himself a people who Jésus, belong to him. Jésus veut un peuple qui lui appartient. Jesus wants a people which belong Jésus to ne him. Veut pas des gens qui viennent l'exploiter. He doesn't want people who come and exploit him. 2 minutes. 2 minutes left. Si tu es un frère, lève la main. If you are a brother, put up your hand. Lève la main. Put up your hand. Si tu es un frère. If you are a brother. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous brisons les liens. We break the ties. Qui retiennent les pécheurs. Which keep the sinners. Séparés de Jésus. Separated from Jesus. Nous brisons les liens. We break the ties. Qui retiennent les pécheurs. Which keeps. Et les empêche de se lever et venir. The sinners and prevent them from getting Satan, va-t'en. Satan, go away. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Il y a quelqu'un qui vient d'être délivré par cette prière. Lève-toi, tu viens. There is someone who has just been delivered through this prayer. Où est cette personne? Where is this person? Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Il reste une minute. 1 minute left. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come.
Et nous allons maintenant prier. We are going to pray now. Levez vos mains. Put up your hands. Dis Seigneur Jésus. The Lord Jesus. Écoutez, nous commençons la prière. Qui veut venir, qui vient maintenant? We are starting the prayer. Who want to come? Let him come now. Il n'est pas le seul. He's not the only one. Qui autre? Who else? Levez les mains. Dis Seigneur Jésus, ta parole dit. C'est Lord Jesus. Que tu envoies la parole, tu envoyais la parole et les guéris. You sent your word and healed them. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Tu es venu me guérir. You have come to heal me. Tu es venu me sauver. You have come to save me. J'accepte. I accept. Ton salut. Your salvation. Je prie que tu me pardonnes mes péchés. I pray that you forgive my sins. Pardonne-moi tout ce que j'ai commis contre toi. Forgive me all that I committed against en parole, you. En pensée et en action. In the word, in the thoughts, and in the actions. Oh Jésus. Oh Jesus. Accepte-moi dans ta maison. Accept me in your Lave-moi house. Lave-moi par ton sang. Wash me by your blood. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis Seigneur. Say Lord. Je suis fatigué et chargé. I am tired and overloaded. À cause des maladies. Because of a disease. Et des oppressions. And oppressions. Des maladies. Diseases. Des oppressions. And oppressions. Les maris de nuit. Les spirit femmes de nuit. Spirit maladies, wife. Les hémorroïdes. Disease, hémorroïdes. Les maux d'yeux. Le mal de dos. Le dos, les genoux. My colonne head, vertébrale. My back and my knees. Tout mon être. All my being. Est souffrant. Is suffering. Guéris-moi. Heal me. 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 Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Regardez derrière vous. Sit down.